Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode dédié à Captain of Industry. On va reprendre, s'est arrêté la dernière fois. Et donc les choses tournent plutôt pas mal. On est dans l'ensemble assez tranquille. Là on avait un petit souci de d'apport en fer parce que j'étais en train de raboter ça pour que ça soit plus proche, qu'on puisse creuser un peu plus facilement. Bon, maintenant on est bon. Du coup là, si on voit tout ça, c'est à 9. On peut largement ouvrir jusque là et raboter encore un peu plus les côtés comme ceci. Voilà. Ça va nous permettre un peu tranquille côté fer. Pendant ce temps-là, vous voyez qu'on a terminé la nouvelle production de microchip. On n'a plus grand-chose à finir, hein. Hop, donc on va lancer vite fait les recherches comme ça. On sera tranquille, on pourra tout arrêter. Et on aura du monde en rab. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Parce qu'on voit que les camions sont toujours débordés, hein. Il faudrait quand même réussir à réduire encore plus les transferts. Donc pour ça, une idée qui avait été soulevée dans les commentaires, c'était de déplacer, d'avoir qu'une seule ville pour éviter d'avoir le transport en double. Ce qui est tout à fait cohérent, mais le problème c'est que je manque un peu de place. Là, j'ai pas assez de quoi mettre plus de monde. Donc j'aimerais, il faudrait que je finisse de raboter ça. Le problème c'est qu'on a, après cela dit, j'ai réaffecté des camions à miner maintenant. Donc l'un dans l'autre, je pourrais faire en sorte que des gens finissent de miner cette partie-là. Pour le raboter une bonne fois pour toutes. Et là, on aura toute la place qu'on veut en fait. Métaï. Ça va être un peu long, mais au moins ça sera fait. Maintenant, il faut juste retrouver un peu du monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Là, déjà, on va enlever. Déjà, c'est un petit excavateur, d'accord. Donc, c'est celui-là. Bah, toi, déjà, tu vas te faire upgrade, comme ça, bam. Ça sera fait. Ici, on est à combien? On est... Il y a encore plein de petits excavateurs, en fait. Ok. Intrigant. Là, pareil, on n'a peut-être pas besoin d'autant. Voilà, et comme ça, normalement, on va avoir plus de quoi faire. Hop. Voilà, et là, si jamais un jour on veut faire un truc, on a de la place. Sinon, comment on peut économiser encore des transports? Ça, il y en a un. Alors là, par contre, si j'avais vu qu'il y avait un petit surplus d'eau ici, il y a plein de machines qui ne tournent pas parce que on a l'air d'être un peu blindé en eau. Et ça, c'est problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être évacuer le surplus d'eau de ce système-là. Donc, là déjà, on a tout ça et on prend en priorité. Alors déjà, ouais, on est d'accord qu'il faudrait que ça vienne en priorité de là. Donc ça, c'est le cas. Très bien. Ensuite, ça sort en priorité vers par là, donc c'est très bien. Donc là, c'est le moins prioritaire. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est là mettre un autre balanceur. Hop. Voilà. Comme ça va nous permettre aussi de prioriser les trucs. Et de faire passer le surplus et de le ramener ici. Voilà, et comme ça devrait nous permettre d'avoir un peu plus d'eau qui arrive là. Bah, à la limite, on va peut-être mettre un balanceur aussi, parce que soyons fous. Ça va tout seul, très bien. Bam. Un peu trop. Hop, voilà. Et donc là, on va prendre ça en priorité. Comme ça, normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Ça devrait jamais se bloquer. Et ça, on va pouvoir l'arrêter complètement parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Ça, normalement, ça devrait résoudre nos problèmes. On a trop de canne à sucre ici. Mince, j'aurais dû l'arrêter plus tôt. Où est-ce qu'elle est la canne à sucre? Elle est là. Des patates. On a eu des petits problèmes aussi de l'alimentation des animaux là. Donc j'ai réduit un petit peu le nombre de poulets qu'il pouvait y avoir. Bon, entre-temps, c'est bien reparti. Donc on va peut-être... je vais laisser tourner un petit peu. Si jamais on voit que ça tient bien, je augmenterai peut-être un petit peu le nombre de poulets.
Normalement, on a fait pas mal de viande pour tout le monde. Donc ça, c'est cool aussi. Sinon, après, l'autre option qu'on a, c'est aussi de convertir toutes les usines en robotisées. Comme ça pourra réduire grandement le nombre de gens dont on a besoin pour bosser dans les usines. Et comme ça permettrait de réduire aussi le nombre de gens qu'on a en tout. Ce serait tout à fait une option et comme ça on pourrait se libérer de toute cette place-là. Ce qui aurait probablement pas mal de choses. Bon, pour ce faire, parce que là donc, on a, si on est sur les usines niveau 3, là la plupart du temps c'est ça, hein. On est à 8 travailleurs alors qu'une usine robotique n'en prend que 2. Et niveau de teraflop, normalement on est assez large. Et là on a même encore de quoi mettre du monde en plus si jamais on veut. Voilà, là il y a du stock. Okay. Et ben on va peut-être faire ça alors. On va gentiment transitionner vers des assemblages robotiques. Comme ça, on devrait avoir un peu plus de travailleurs disponibles. Tout en faisant travailler les gens sur la production ici. Comment ça? Nos récipients. Ah, ça ne marche pas. Si en fait. Ok, je sais pas pourquoi la recette ne se transfère pas. Mais pas de problème. Hop. Maintenant, avec tout ça devrait nous permettre de réduire pas mal. En plus, on est quoi au niveau production? Là, on fait 48 et là, on fait 20. Donc en plus, on double. Donc comme ça, on va pouvoir même carrément arrêter un peu des machines. Dernière, allez, soyons fous. Hop, donc du coup on peut arrêter ça. Tac, voilà. Là normalement on a la même production, mais avec beaucoup moins de gens. Que ça n'a pas l'air. Ah mais non, ceux-là ils marchent avec de la... What the fuck? Ils marchent avec de l'acier, ceux-là. Ok, donc ça ne fonctionne pas du tout mon truc. Très bien. Bon bah là on n'a pas trop le choix. De toute façon on est obligé de laisser ça finalement. J'ai rien dit. Ok, ça change la recette. Donc ça, c'est pas prévu. Est-ce qu'on pourrait encaisser de faire ça en acier plutôt qu'en fer? Je ne sais pas. C'est bizarre que ça change comme ça. Par contre, ça, c'est un peu dommage. Bon, tant pis, je vais être obligé de détruire. Là, est-ce qu'on peut faire l'upgrade sans problème? Est-ce qu'on aura le même souci tout... Non, partout. Là, c'est bon. Ok, donc ça déjà, c'est cool. Ouais, bah là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Là, dans l'immédiat, on va pas s'embêter. On va. Hop, relancer ça. Dommage, on aura essayé. Et là, on va continuer en upgrade. Tiens, bah là d'ailleurs, on va peut-être même augmenter un petit peu la production de pièces de serveur, comme ça. On sera plus tranquille pour rajouter des teraflops quand on en aura besoin. Tac. Voilà. C'est bon, on manque un peu de charbon à un endroit visiblement. La température, c'est vraiment horrible. Ok. Là pourtant, ouais, on est d'accord qu'il y a du stock, donc c'est pas ça le problème. On peut continuer à creuser de toute façon, on a encore de quoi faire. Voilà, comme ça, au moins, ça va continuer. Là-bas, du coup, ça a commencé à raboter un petit peu. Oui. Doucement, mais sûrement. Ça a toujours pas fini la rampe. Bon, alors c'est bon, ça arrive, on arrive au bout. Mais... Ça aura pris son temps, hein. En même temps, il ne doit plus y avoir beaucoup. Voilà, il n'y a plus énormément de demandes de fer. Est-ce que, sinon, autre option, est-ce que je peux automatiser le transport de minerais de fer? Parce que ça serait une option. Aussi toute simple de balader le minerai de fer directement dans les machines. Donc
Donc là, j'ai la place pour. Là, j'ai la place pour. Ouais, donc potentiellement, ça pourrait être jouable, hein. Là, on aurait aussi potentiellement la place pour. Là, il faudra peut-être feinter un. Non, on a la place pour. Qu'on pourrait faire passer le minerai de fer. Donc on pourrait le passer là et là. Comme ça, on est content, on n'en parle plus. Ça fera certainement un trimballé aussi. C'est pas non plus. Je suis pas sûr que le gain soit énorme, énorme, mais bon. Permettrait de s'en sortir. Alors sinon, reste la question de jusqu'où on pousse. Parce que bon, là, on a fait un peu le tour. Normalement, si jamais on veut vraiment y aller. Parce que là, ça annonce toujours. Ça, je crois que ça finira jamais, malheureusement. Tant que j'arriverai pas à calmer les camions. Ici, ça rebouche. Ouais. Tranquille. On arrive même. Bientôt au bout. Pouvoir se faire des zones en plus après. Peut-être étendre ça ou continuer à étendre là. Ce sera une option. Un peu de charbon visiblement. Bien qu'il se bouge un peu. On peut manquer de minerai de cuivre alors que toi t'es plein à craquer. Tu te fous de ma gueule ou. C'est une blague, c'est ça? Attends, il est bien assigné à les déposer là, oui. Toi t'es bien assigné à elle, oui. Valid destination, mais je sais pas ce qu'il te faut. Pas bien ce qui lui arrive, son copain il fait pareil ou comment ça se passe? Une question de taille, le camion il arrive à passer là. Alors ils arrivent plus à sortir de cette zone là, c'est ça? Non, c'est peut-être ça. Bah si lui il passe là, y a pas de problème. Pas clair, pas clair. Ah, on a un trop-plein de mox. Spent mox, donc bah du coup, il va falloir construire la suite. Pareil, ça sert à stocker du spent mox, on est d'accord. Je peux faire ça. Que ça y aille. Et donc, on pourra faire après le dernier niveau de recyclage. Ça c'est plus compliqué. Comment ça marche? On peut peut-être faire ça comme dernière tech, comme ça on aura tout débloqué. Spent mox. Hop. Donc ça pareil, avec du verre, on en fait du blanket fuel et des fission product. Les blanket fuel. Plein de trucs qui en créent, ok. On a plein, on peut l'utiliser pour aussi faire de l'uranium appauvri. Enfin, à partir de l'uranium appauvri, refaire du blanket fuel, donc ça c'est cool. Et après, on peut l'enrichir. Ça peut tourner en rond pour faire du core fuel. C'est pas évident. Et c'est ça qui va dans les fast breeding reactors. Merde. Ok, très bien. Et du coup, autre question. On peut recycler aussi les cœurs de carburant utilisés. Ok, jusque là, tu vas bien. Et on a aussi des produits de fission qui, eux, doivent aller dans le stockage, tout simplement. Ok, bah j'ai juste pas trop la place pour faire tout ça, c'est ça le problème, mais bon. Alors là, faudrait que je rebouge vraiment tout ça, là. Histoire d'avoir un peu plus de place pour mettre d'autres trucs de stockage. Et faire tout mon retraitage ici. Ce serait une option. Pas avoir assez de. Il y a trop de trucs à recycler, donc de toute façon je vais pas avoir assez de qui vont s'en sortir.
Ça, j'ai besoin de vert, ok. Donc là, on aurait potentiellement du blanket fuel à faire passer en plus. Donc ouais, c'est chaud. Et puis on pourrait se faire une deuxième rangée peut-être. Donc je vais la mettre, mais on pourrait. Qu'il y a quand même beaucoup de gros camions qui se touchent un peu, donc j'en ai peut-être un peu trop. Et les trucs occupés sont enfin, des endroits où ils peuvent pas forcément aller parce qu'il y a des trop petits stockages. Peut-être que je fasse un peu plus de petits camions, ça aidera peut-être. Peut faire, c'est qu'on peut aussi essayer de boucher un peu tout ça là, histoire de dire qu'on aura de la place aussi par là après. Peut-être de faire un peu moins d'aller-retour. Et donc, parce que si jamais on voulait tout déménager ici, il nous faudrait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trucs. Donc, ici, admettons qu'on s'en garde un peu de place, on pourrait en mettre deux là. Donc il faudra encore deux rangées d'habitations comme ça, quoi. Donc il faudrait au moins aller jusque-là. Au pire, là, on peut dire que tant pis, on tapera pas dans ce fer-là, donc on peut arrêter de creuser et reboucher ici. Mais ça demande quand même encore de raboter une bonne partie de ça, quoi. Donc, on va pas y arriver tout de suite. Attends, on peut continuer à upgrader 2-3 trucs ici, tant qu'il y a un peu de stock, allons-y. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, du coup, on peut mettre un peu ça en pause. Comme ça, au pire, on pourra peut-être aussi essayer de réduire un petit peu la population. En étant plus efficace, ça permettrait peut-être de s'en sortir tout aussi bien. Ça, à la limite, on va le laisser tel quel parce que ça permettra d'aller chercher. Plus de production, dans un premier temps c'est pas plus mal. Ça permettra d'aller plus vite garder les stocks. Voilà. Un bloc comme ça c'est combien? C'est 230. Donc bientôt je pourrais enlever un bloc, ça veut dire, et j'aurai un peu de marge. Si on finit peut-être l'amélioration de tout ça, on pourra peut-être se le permettre. Tiens, il n'arrive pas à stocker toutes les patates. Ah oui, mais c'est à cause du trop-plein de canne à sucre. Ça, c'est le classique. Ok. Il y en a quoi? Il y a quand même toujours beaucoup bah, le charbon, les pierres et tout ça. Donc bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Toujours des jobs d'eau. Ça, je sais pas trop où ils vont, mais... Bah, là, il y a un peu d'apport d'eau ici, je pense. Donc déjà, celui-là, une fois qu'on aura déménagé toute cette partie-là, on pourra s'en débarrasser aussi, hein. Hop, 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 hop. Ouais, là, ça commence à taper un peu dans le stock, donc on va attendre 2 minutes que ça se refasse. Ouais, bien, voilà, 260 travailleurs, donc ouais, on va pouvoir commencer gentiment à réduire un peu la population là-dedans. Je peux faire un édit aussi pour virer un peu du monde ou pas? Ouais, allez, on peut commencer doucement à évacuer du monde. Tant pis, ça a tapé un peu dans l'unité, mais bon, pour l'instant, on est tout à fait positif, donc toujours ça de pris. Tac, voilà, bon, on a quand même bien tapé dedans, donc on va faire une petite pause le temps que ça reparte. Et là, je regarde les quantités pour être sûr qu'on est. Si là, par exemple, il va nous falloir convoyeur de niveau 2. Si on veut s'en sortir. Ouch! Ah oui, bah forcément, ça arrive en plein dans une épidémie ou on est parti à ce niveau violent-là.
4%, ça fait quoi? On est 5000, donc ça fait 50 pour les gens, ok. Bon, déjà, on va pouvoir démonter un truc comme ça, on sera sûr qu'on ne débordera pas. Hop. On va devoir laisser quand même se refaire un petit peu la population parce que je vais pas pouvoir aller assez vite à migrer tout le monde comme ça, faut pas déconner. Hop, et après on va peut-être aussi avoir des problèmes de flop. Hop, 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 hop. Voilà, ça fera toujours un petit peu moins de gens nécessaires. On va aller taper un peu loin, mais là il faut remonter un peu la pente, sinon on va avoir des soucis. Donc ça c'est quoi? 12, 12, 12, 12, et ça produit que 6 pour une raison obscure. Ok, admettons. Hop. Commence à me manquer. Un peu trop de CO2. Ici, on n'arrive pas à maintenir ça vite. C'est un peu dommage. Faudrait réussir à le maintenir. Je vais pas tirer un tuyau juste pour ça. Ça me fait un peu chier. Hop, ici, il manque du sable. Bon, bah ouais, mais bon, au boulot. Toujours du charbon par-ci par-là. C'est bon, c'est reparti petit à petit. Ah, mais non, en fait, voilà, j'avais besoin que deux trucs, que d'un truc en fait. Hop. C'est juste qu'on était un cran de retard. Ok. Bon, au moins, ça de moins à faire. Là, bah, pareil, on va peut-être tac, finir d'améliorer ça et en couper un peu là pour voir. Où on peut se permettre d'aller. C'est pareil, on a l'air toujours bien plein, donc on peut en arrêter un petit peu. Hop. Ça a pas l'air d'être trop problématique. Au pire, si jamais on veut être large, je peux même faire ça. Et tac. Là, normalement, c'est bon. Il manque plus trop de monde. Le temps que ça se refasse, ça va être pas mal. Je sais pas s'il y a d'autres endroits où on va pouvoir gratter de la population comme ça, je ne pense pas. Là, on avait déjà remplacé. Qu'est-ce qu'on construit quelque part qu'on peut automatiser? Bon, ça, mais c'est pas très important. Là, il y a la production de médoc, si c'est vrai. On peut faire ça aussi. Hop, voilà. Comme ça, on y gagne encore un petit peu. Ça me faut 24 et 24. Donc ça, c'est bon, on a 24 et là, on a 24. Parfait. Bon, ça, c'était montagne. Par contre, il faut une production de 48 ici. En fait, une seule, c'était amplement suffisant. Techniquement. Voilà. Donc là en entrée il faut 24 et 48, donc il faut 48 de production comme ça, c'est pareil, une seule c'est amplement suffisant. Voilà, donc du coup on peut arrêter la croissance. Tac, on a déjà économisé assez de monde. Et en entrée il me faut 24 et 24, donc là on est largement à 24, ok. Et là on n'y est pas du tout, mais au final on n'a pas besoin de tant que ça non plus. Pas tout démonter parce qu'on sait jamais un jour on en aura peut-être besoin. Hop, mais voilà, on a encore économisé un petit peu de gens. Pas mal, par contre on est un peu léger en teraflop visiblement. On va peut-être devoir booster un petit peu. Voilà, la puissance ici.
On est large. Comme toujours, des trucs où ils s'en sortent pas très bien. Hein. Hop, alerte, ils ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qui va pas ici? Là, ils disent que c'est bon, c'est plein à craquer en diesel. Alors, je sais pas bien ce qu'il vous faut, les gars. On a besoin de plus d'un tuyau, c'est ça? Ça a l'air d'être vraiment des alertes. Ok. Là, il y a trop de cailloux. Bon, bah, ça, ouais, il s'agirait de bosser, les gars. Alors, on est en train de bien taper dedans, donc ça, c'est cool. Donc, les livraisons de cuivre, c'est toujours un peu le bordel. Et de le récupérer un coup, lui, pour voir ce qui se passe. De toute façon, ici, à un moment, on va plus trop pouvoir creuser. Hein, donc, il va falloir se faire une raison. Faut que j'arrête les plantes, sinon, on va pas s'en sortir. Là, a priori, ça a l'air de tenir. Hein, donc, on va monter un petit peu. Les poulets, voir si on arrive à monter, à supporter un peu plus de production. Là, c'est déjà du robotique ou non, pas du tout. Bah, là aussi, on peut se permettre d'améliorer pas mal aussi la production alors. Parce que là, si on est à 12, passer à 24, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on en rajoute un, on peut en mettre une en pause. Cool. Ici du coup, est-ce qu'on se ferait pas la petite dernière comme ça? On n'en parle plus. Hop. Faire ça. Hop, hop. Hop. Bon, comme ça, normalement, on sera vraiment au max de la production. Ça permettra de refaire les stocks plus vite et de terminer les upgrades plus vite du coup. On risque de pas avoir à ce moment-là. Alors déjà, commençons par le début. 12 et 12, 24, 24, 48. Donc ouais, là déjà, première rangée, on n'a pas assez. Il faut plus de proies. Si, on a le même truc. Par contre, là, en entrée, on a 24, donc beaucoup plus. Et en acier, on est à 12, donc de 12, 24, 48, 60. Non, en fait, c'est tout rond, je suis con. 48 et redouze 60. Oui, donc non, il n'y a pas besoin de faire ça, tant pis. Hop, de ce point de vue-là, on est bon. Là, par contre, on est plus bon. Parce que 24 et 24, 48. Et re-24, ça fait plus que 60, par contre. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut booster un peu la production. Enfin, l'apport, surtout. Hop. Là, c'est pas du niveau 2. Là non plus en fait. Là c'est bon, c'en est. Oui, ça déjà. Ça devrait nous permettre d'y arriver un peu mieux. Il y a encore plein de trucs qui vont pas. Ok, bon là on n'a pas assez visiblement de production. Donc on va réactiver ça. Et on va même les upgrade comme ça. On s'embête pas. Là, normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce sont juste les quantités? Oui, allez, hop, on va mettre un peu de niveau 3, comme ça, on sera tranquille. Hop, on est d'accord que oui, il y a un petit bout en bas là-bas qui traîne, là. Est-ce que je peux y accéder? Merci. Voilà, bam, bam, bam. Ça devrait pouvoir desservir sans aucun problème les deux côtés, à fond. Voilà. On est bon, ça, on est bon, ça, on est bon. Ah, on manque toujours un peu de cloud, visiblement. C'est toujours comme ça, de toute façon, ces trucs-là. On commence à payer. Il n'y en a jamais assez. Ok, on va attendre un peu ici de refaire les stocks, le temps que ça monte. Mais on commence déjà à se redégager une petite marge de travailleurs. Donc ça, c'est cool.
Enfin, on va pouvoir s'arrêter là pour cette fois-ci. Donc, bah ouais, la prochaine fois, on va peut-être essayer de réfléchir à si on peut pas se débrouiller avec le recyclage du MOX. Comme ça, on pourra aller chercher le dernier niveau de carburant et les derniers réacteurs. Qui, eux, juste pour rigoler. Donc, ça fait quoi, eux? Ça permet de le faire tourner en x4. Ouais, donc, comme les autres, quoi, globalement. Parce qu'on n'a pas besoin de le construire maintenant. 96, on est d'accord que c'est la même chose que ça, hein, oui. Ouais, bon, on essaiera peut-être de faire ça pour terminer un peu le let's play, mais je pense qu'on va pas jouer encore très longtemps, on va pas forcément aller jusqu'à rendre le truc complètement autonome et stable. J'ai un peu la flemme. Maintenant, il y a SpaceX, il y a Factorio SpaceX qui est sorti. Du coup, on va peut-être pas faire traîner ce let's play non plus très très longtemps. Pour ceux qui sont encore là, je sais pas si vous avez vu, mais les devs ont commencé à refaire des streams. Notamment, ils ont montré un peu les débuts de train et tout ça. Donc, ça veut dire que la prochaine update avance. Bon, elle est pas encore prête à sortir, a priori. Mais ça avance. Donc, je suis assez curieux de voir ça. Donc, je pense qu'on va assez vite arrêter, ouais, le let's play ici. Quand on aura fait le dernier niveau nucléaire, par exemple. Et après, comme ça, on pourra faire une petite pause et reprendre quand la prochaine update sera sortie. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Et du coup, pour cette fois-ci, on va s'arrêter là. Comme d'hab, moi, bah, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!